autour de mes collègues, donc en niveau cervical, du côté vestibulaire. Forcément, on peut le mettre aussi du côté palatal, palatinal, ce qui est très... on est libre à faire comme on veut, au souhait du patient. Donc ici, on voit que je la mets bien en place et que la résine reste en place aussi, ce qui est important pour qu'elle reste bien en place. C'est pour ça que c'est facile de travailler sur le silicone et comme ça c'est propre à travailler aussi. Donc voilà, je fais tout le tour de gauche à droite et de droite à gauche. Les traits de résine, je les enlève pour être certain de travailler proprement, c'est toujours mieux. Et avec mon pinceau dur, donc j'ai un pinceau dur que j'ai travaillé un peu, comme ça, avec un peu de monomère normal, je étire ma résine vers le bas, donc pour atteindre cette, cet effet que les résines vont se mélanger entre elles et que les couleurs se mélangent. Donc pour avoir cet effet, comme j'ai dit, avec la céramique, d'aller de 1 mm à 0 et la prochaine couche aussi. Donc je mélange la prochaine couleur. Là je mélange les résines entre elles, donc je mets un peu de 55 avec de la 34 qui va être ma résine de base, comme ça pour avoir encore une transition entre les deux un peu plus fluide. Et voilà, la 55 qui a entre temps apprise, je vais pouvoir la la mettre entre mes racines pour avoir un effet là. Y a-t-il quelqu'un qui pose une question? J'en vois pas directement. Donc ici je mets les couleurs entre mes racines aussi partout. Donc vous voyez que la résine reste bien en place, elle ne s'encourt pas ou elle ne coule pas. Ça aussi c'est un peu l'effet de la, du monomère LT qui donne quand même une consistance un peu plus épaisse à la résine aussi. Donc pour bien pouvoir modeler et mettre les résines là où on veut et en restant là où on veut. Excusez-moi. Donc ici aussi, je remélange un peu pour avoir cette transition entre mes résines et mes différentes teintes. Voilà. Là, je vais mélanger un peu de 57 que je vais rajouter par après dans le fond du vestibule. Donc dans le moufle et sur mon modèle. Vous verrez ça de suite. Donc ici à nouveau je mélange pendant plusieurs secondes, donc 15-20 secondes plus ou moins. Toujours faire attention de ne pas avoir de saleté. Il me faut encore un peu de 53 pour mes muscles. Donc les freins,
labiale. Donc je vais encore mélanger un peu plus de 53. Donc pour le hot, c'est aussi le monomère LT esthétique Red LT, mais qui donne en fait le même effet. Donc maintenant on va cuire à froid, mais quand on utilise le chaud, donc c'est exactement la même manière à travailler. Et donc on va utiliser le monomère Hot LT, et qui a donc les mêmes effets sur le monomère et sur la résine. Donc ici j'ai ajouté un peu de bleu et un peu de rouge. J'en ai mis un peu de trop, donc j'enlève d'abord un peu trop l'excès de bleu, comme ça. Je ne mélange pas à fond, comme ça je vais atteindre un effet marbré dans ma résine. Donc je mets ça un peu. Donc aujourd'hui je ne suis pas un plan ou une photo spécifique, je fais un peu à la main libre, mais ça donnera un effet, donc des veines, les petites veines bleues qu'on voit de temps en temps, plus en profondeur, excusez-moi. Donc je mets un peu là où je sens que ça pourrait être joli ou que ça va être beau pour faire l'exemple aujourd'hui. Mais c'est bien de mettre ça en deuxième couche. Comme ça, on a l'idée que c'est en profondeur de la prothèse. Donc ça donne un très bel effet marbré quand on ne mélange pas à fond les pigments. Naturellement, si on veut avoir une autre teinte, je vais dire si on veut avoir un peu plus la résine jaune, un peu plus brune, on peut mélanger d'abord le monomère à fond avec les pigments, que le monomère ait repris cette couleur-là, et par après ajouter la poudre, et on aura donc une résine à cette couleur-là. Donc ici je mélange encore un peu de 55 et de 34 pour faire cette transition plus fluide, mais comme vous le voyez, maintenant ça fait 13 minutes que nous sommes en train de travailler et je n'ai pas encore peur qu'il y ait un risque de il n'y a pas encore de risque de formation de bulles ou de que la résine se sèche. Donc il y a une question qui est de quelqu'un qui me demande si il n'y a pas de dosage pour le monomère LT comme pour le restant de la prothèse. Exactement, donc c'est dosage libre, donc on peut utiliser autant de on travaille toujours avec de la résine, donc on sait plus ou moins la consistance qu'on doit atteindre pour avoir une résine qui va rester en place et qui va donc pas couler par tous les côtés. Donc voilà pourquoi il n'y a pas de dosage. Et comme c'est des toutes petites quantités de résine qu'on va faire, ce n'est pas besoin de doser cette petite quantité-là. Par après, le monomère va s'évaporer dans le dans l'air, de toute façon, quand elle sèche, et le monomère résiduel ne sera pas si important à ce niveau-là. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Donc ici, à la 57, comme vous le voyez, je la mets au bord, donc là où il y a mon bord de ma prothèse, dans le fond du vestibule.
Donc là aussi, elle reste très bien en place. Je vais essayer de les tirer un peu plus vers les dents sans ruiner les couleurs que j'ai déjà mises. Donc voilà. J'essaye d'enlever les petits les petits fils de résine qui ont été tirés hein, comme ça parce que ça se voit par contre quand on ne les enlève pas, quand il y a un trait ou un fil de résine qui reste en place, bon forcément cette partie là va être visible, donc vaut mieux les enlever. Donc ici je mets encore une troisième couche par au-dessus pour avoir encore une certaine dimension en extra. Comme par après, on va encore meuler un peu dans la prothèse. Bon, maintenant, si on a déjà fait des belles modélations en cire et que ça sort très, bien comme ça, forcément pas très nécessaire. Mais si on veut encore meuler un peu plus par après pour avoir une meilleure forme de la gencive même. Les couleurs vont ressortir par après. Donc, comme ça, on aura ici, j'ai une question qui me il y a quelqu'un qui me demande le risque de bulle dû à l'utilisation de monomère LT. Donc, en fait, c'est ce monomère LT qui va nous prévenir avant d'avoir des bulles. Donc, nous n'aurons pas de bulles à cause de ça. Comme elle est un peu plus huileuse, elle va en fait garder la résine plus longtemps pâteuse et modelable. Donc il n'y aura pas de risque de bulle en fait. Donc ce monomère là est conçu à nous aider à travailler plus longuement avec la résine sans qu'elle se dessèche et sans avoir de formation de bulle. Donc ici je mets un peu de résine directement dans le fond du vestibule de mon modèle isolé à l'isoca. Toujours intéressant de du modèle. Comme ça, on est certain qu'on n'a pas de bulles en coulant non plus. Ici, on voit que la résine a pris un peu dans mon pinceau, ce qui n'est pas très très grave. On va encore en ajouter par après. Donc voilà pour tout ce qui est la caractérisation ou la polychromie que j'ai fait en presque 19 minutes sans avoir peur d'avoir des bulles d'air. Donc on a plus que de temps assez pour faire ça sans problème du tout. Donc maintenant je mélange ma résine de base qu'on a donc préparé tout à fait au début. Donc là on gagne de nouveau du temps. Si on travaille à chaud, on a déjà mélangé la pâte, et la pâte après 20 minutes on peut la presser ou l'injecter comme d'habitude. On mettra juste un bourrelet de résine contre nos caractérisations. Comme ça, elle ne part pas. Mais maintenant, on a donc une résine liquide qu'on va couler directement contre ou directement derrière les caractérisations. Donc, il n'y a aucun risque que les caractérisations vont se déformer ou changer de place. Donc bien mélanger pendant 20 secondes de nouveau.
pendant 15 secondes, on laisse reposer la résine pour que les bulles d'air puissent sortir, s'il y en a. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup pour l'instant. Et alors là, je coule directement sur le palais ma résine de base, qui est donc la couleur 34, que je vais faire couler d'une certaine hauteur directement entre les dents depuis le palais. Donc je remplis plus ou moins jusqu'à la moitié. Je passe sur le palais pour être certain que celui-ci aussi il est rempli. Et quand ça c'est fait, je prends mon couvercle avec le modèle. Et je coule directement. Je vais juste rebouger ça comme ça. Vous voyez. Donc tout ça est filmé aussi en un temps pour que vous puissiez voir que je n'ai rien trafiqué pour faire la publicité de cette résine. En direct. Et on voit que la résine ici est un peu liquide. Maintenant, avant de fermer le moufle, j'attends un peu pour que la résine ait prise un peu et devienne un peu plus épaisse. Comme ça, elle va me permettre d'atteindre une certaine résistance de la résine mère et en fermant le couvercle et avec les boulons, la résine me donnera une contre-pression et on va donc presser la résine froide à l'aide des boulons. Mais pour ça, la résine doit être un peu plus épaisse, donc il faut attendre encore un peu. Et dans tout ce temps-là, on n'a toujours pas peur qu'on ait des bulles d'air qui vont se former ou d'autres porosités qui vont se mettre en place. Donc, aucun problème et aucun souci à ce niveau-là. Donc là, on attend encore un tout petit peu, je dirais encore deux petites minutes. Quand on voit qu'il y a ce film mat qui va se mettre en place, je contrôle dans mon godet pour voir si la résine est déjà un peu plus épaisse, mais pas encore assez épaisse pour pouvoir fermer le couvercle. Donc je n'ai vraiment pas peur à ce niveau-là que j'aurai des problèmes par après. Je contrôle avec mon instrument, mais encore un peu. Et là, on voit que mon instrument reste. Donc la résine garde un peu la forme de l'instrument. Donc là, c'est le moment où je vais fermer mon couvercle. Et tout doucement, sans pousser le couvercle, donc je le mets mais je n'appuie pas. Donc en fait, c'est le poids du couvercle qui va faire son travail avec avec les boulons. Et en serrant les boulons, on va voir que la résine va sortir en pressant la résine avec une éjo. Donc voilà, c'est un système très efficace, comme si on changeait une roue. Donc chaque boulon pendant quelques tours et je poursuis au prochain boulon jusqu'à ce que le couvercle et le moufle sont fermés à fond. Et si on voit que la résine ferme, je vois une nouvelle question qui rentre.
Ah non. La caractérisation bouge. Avec une résine haute, on fait un bourrelet que l'on applique sur ce qu'on a fait les précédemment. Aucun risque que la caractérisation bouge. Non, donc en fait, on met d'abord un premier bourrelet contre les caractérisations. Et par après, on met le grand bourrelet pour la presser. Et comme ça, tout reste bien en place. Très bonne question. Et donc voilà. Et maintenant, ça, c'est ça. Donc voilà. Et maintenant, ça va dans la cocotte à pression pour pendant 15 minutes à pression de 2 bar et pendant 15 minutes. Donc en résumé, il faut toujours mélanger les résines pendant 20 secondes avec un intervalle de 2-3 minutes entre les différentes couleurs. Comme ça, on a le temps de poser toutes les couleurs sans qu'elles durcissent tous en même temps. On ne réhumidifie pas les résines avec le monomère LT, mais si on a besoin de faire ça, on fait ça avec le monomère normal, donc le hot ou le cold. Pour éviter les lignes dures, on fait mélanger les couleurs l'un sur l'autre, comme si on mettait de la céramique. Et avec ça, pour atteindre ça, moi j'utilise donc le pinceau dur qui est trempé dans le monomère pour étirer la résine. Et pour avoir la meilleure couleur, donc, il faut au minimum 1 mm d'épaisseur pour avoir le bon pâté. Donc on peut l'appliquer avec un fin pinceau ou avec la spatule, ou à une combinaison des deux, forcément. Pour la résine de base, on a utilisé la couleur 34, donc ici en esthétique blue, avec une proportion de 30 grammes pour 15 millilitres, mélangé pendant 20-25 secondes, avec un repos par après de 15 secondes et coulé directement sur le palais et entre les dents. On attend que la résine prenne avant de fermer le couvercle pour que la résine ait une pression ou une contre-pression avec les boulons. Et après, pendant 15 minutes à 40 degrés et 2 bars de pression dans la cocotte à pression. Donc je fais couler avec d'une certaine hauteur pour éviter l'enfermement des bulles d'air. Et alors, forcément, le plus important d'aujourd'hui, c'est d'avoir le résultat de la prothèse qu'on a coulée et qu'on a donc caractérisée. Donc voilà, ici, on voit très bien les caractérisations qu'on a mises. Donc ici, on voit le 53 qui ressort bien. Le 53 au niveau du frein ici, on voit la tache ici bleue. On va directement voir. Voilà. Ici, on va voir un peu de bleu en postérieur là. Même ici. Ici, on voit très bien qu'on a l'impression d'avoir les veines bleues en effet marbrées. Un peu de rouge entre les racines. Les collets qui sont bien plus clairs. Et ici aussi, donc voilà, ici on voit très bien les couleurs qui sont bien coulées l'un dans l'autre pour avoir une belle transition entre les deux. Ici aussi on voit encore les veines bleues qui sont qu'on aperçoit à travers, donc en profondeur de la prothèse. Donc en soi, je suis content du résultat. Naturellement, en bouche,
Malheureusement, c'est un modèle qu'on a fait sur un modèle d'étude. Donc, malheureusement, je n'ai pas de photos cliniques, mais on voit quand même qu'on a atteint un résultat plus que convenable en moins de 20 minutes. Donc, en fait, en 20 minutes de temps, on donne quand même une autre dimension à nos prothèses, ce qui est quand même très voilà. Donc le moufle qu'on a utilisé pour faire ça, c'est le moufle qui s'appelle Polymaster. Voilà le résultat. Donc ceci est une autre prothèse pour être certain, pour être clair. Donc on a fait une présentation en cours forcément de ce qui est la polychromie et de ce qui est possible avec le kit Colorset Easy. Si vous êtes intéressé pour suivre des cours de chez Candulor, vous pouvez toujours aller regarder sur le www.ssop.suisse pour la Swiss School of Prosthetics, le SSOP, donc le programme de cours chez Candulor. Si vous avez encore des questions, je serai ravi de vous y répondre. J'en vois encore quelques-unes ici. Est-il possible de faire sans le moufle Polymaster? Bien certainement. Tous les moufles courants sont possibles pour utiliser donc pour faire ces caractérisations. Si vous travaillez en gel ou en clé ou juste la petite clé en silicone, donc n'importe quel moufle courant ou la méthode que vous travaillez à ce moment-ci pour convertir vos prothèses en résine, tout fonctionne en fait. Mais le moufle Candulor est forcément un moufle, le moufle Polymaster est un moufle Candulor, donc voilà pourquoi j'en fais la promotion. Il y a encore des questions. Oui. J'ai vu une question. Juste petit. Quel est l'intérêt à faire un tel travail de qualité en résine cold? Ça, c'est un choix personnel. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en froid pour gagner du temps. Naturellement, il y a donc deux possibilités, c'est à froid et à chaud. Beaucoup de gens ou beaucoup de laboratoires travaillent à froid. C'est-à-dire que les résines ont quand même évolué depuis il y a 20 ou 25 ans. Donc même les résines à froid sont déjà des résines à haute qualité. Naturellement, il y aura toujours l'histoire du monomère résiduel qui reste. Oui. Il y aura toujours moins de monomères résiduels à chaud, c'est vrai. Ce qui est mieux, ça, je laisse au milieu, ça, c'est un choix personnel. Mais si la plus grande raison pourquoi le faire à froid, c'est la rapidité de la cuisson. Et les questions qualité, je ne veux pas aller en discussion. Quelqu'un qui n'a pas de son.
Voilà. Pour le polissage, vous utilisez un tour à polir ou des brossettes au poste de travail.